Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog, donc J9 avant d'être débanné de Twitch. Je devais recevoir ça. Je devais recevoir mes mousses acoustiques et la poste a essayé de vous livrer alors que j'étais chez moi toute la journée. Et comme d'habitude, tu payes une livraison mais tu n'es pas livré. Il faut que tu ailles chercher ton colis parce que les livreurs ont la flemme de venir t'apporter le colis. En fait, c'est leur métier, ils ont la flemme de le faire, tu vois. Genre, j'étais chez moi toute la journée, ça n'a pas sonné une seule fois. Donc on va aller le chercher juste après. Et d'abord on va aller, déjà on va manger cette galette incroyable tous les matins. Et après je pense qu'après on ira à la muscu. On ira à la muscu parce que bien sûr la poste ouvre à 14h bien évidemment. Et vu qu'il est midi, bah voilà, c'est fermé. Bref, moi je vous dis à tout à l'heure, je pense que j'irai à la muscu. Et puis on ira chercher le colis ensemble. Les pouces bleus les gars, abonnez-vous en masse, code créateur Cocteau. Et puis les commentaires aussi pour me donner votre avis sur les vlogs et tout. J'ai vu que ça vous kiffiez bien, donc super. Allez, c'est parti. Du coup les potes, je reviens de la muscu, j'ai fait le dos aujourd'hui. Et donc pas mal de nouveautés aujourd'hui, donc on va aller chercher le colis parce que j'ai eu l'accusé de réception dans la boîte aux lettres. Et ce soir, regardez ce qui sort ce soir. Bon, je suis pas sponsorisé, mais Call of Duty Warzone, donc un Battle Royale à 150 joueurs. J'ai regardé un petit gameplay de l'Oclear tout à l'heure et ça a l'air pas mal. Du coup on va tester ça ce soir. Je pense pas que je le ferai en live. Mettez les pouces bleus ou dites-le moi en commentaire si vous voulez que je le teste, mais je pense que je vais tester ça en live déjà pour avoir mon avis, pour mettre mes touches. Et puis voilà, bref, nous on se retrouve à la poste, on va chercher le colis. Let's go. Juste illisible. Bon les gars, j'ai attendu 20 minutes à la poste pour qu'au final on me dise que bah, le colis je peux le retirer que demain. Du coup bah on ira le retirer demain les gars. Putain, j'ai le seum. J'ai attendu 20 minutes au guichet parce qu'il y avait personne pour me dire ouais bah non, en fait c'est demain qu'il faut venir. Bon bah je vais me prendre une glace au McDo là parce que j'ai besoin de sucre, ça m'a énervé. On va se prendre un petit McFlurry Oreo. Dites moi ce que vous prenez en commentaire. Moi je prends souvent McFlurry Oreo. Avant je prenais souvent McFlurry M&M's, mais McFlurry Oreo, coulis choconuts, incroyable. Dites-moi ce que vous prenez en commentaire les gars. Putain, du coup je vais prendre le McFlurry. J'ai eu trop peur les gars, j'ai sorti ma caméra et il y a un truc qui s'est mis à une alarme un peu incendie. En fait c'était le défibrillateur qui avait sonné. Putain, j'ai sorti la caméra, je sais pas, je me suis senti pas bien. Du coup McFlurry les gars, McFlurry Oreo, coulis chocolat, parce qu'il n'y a pas choconuts ici. Voilà. Je vais pas vous montrer comment je mange, en vrai on s'en fout. Mais vraiment dites-moi, putain moi je vois franchement là. Mamma mia, incroyable. Incroyable. Les gars, j'étais sur mon téléphone et regardez ce que j'ai vu. Pour 4 000 €, attendez, tac. Pour 4 000 €, tu donc coronavirus, recherche volontaire pour se faire infecter par le virus contre rémunération. Pour 4 000 €, ils te mettent le coronavirus et ils te testent un petit peu. Donc voilà, s'il y en a qui veulent de l'argent facile, non mais... te mettre le coronavirus pour 4 000 €, à la limite, tu vois, 40 000, tu peux te poser la question, mais 4 000 €, les gars, faites pas ça. What the fuck. Bon allez, du coup je vais aller le faire parce que vu que moi je suis ban Twitch les gars, faut... Ah les gars, faut qu'on renfloue les caisses hein. Bon allez hop. Vas-y les potes, j'ai pris ça. J'ai pris la Bubble Wolf à 6,90. Let's go. J'espère que ça va être bon parce que c'est cher hein. La Bubble Wolf. C'est beau, petit appareil là. C'est une caméra, une Canon EVA Mini. C'est excellent. Ouais, en vrai c'est pas mal. Ça va être filmé. Tu fais quoi avec? Tout. D'accord. Tu peux tout filmer, prendre des photos et tout avec. C'est compact genre, dans la poche. Mais ça n'existe plus du coup. Sorti il y a 4-5 ans. Ils ont arrêté? Bah en fait ils ont arrêté parce que c'est un public... En fait, ils n'ont pas trouvé public à ça. Je sais pas, vous connaissez Valouz? Vous connaissez Valouz ou pas? Valouz. Valouz? Ouais, vous connaissez pas? Non. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez, c'est un mec sur YouTube. Il a cette caméra. C'est un YouTubeur. Ouais. Ouais, non. Est-ce que vous faites des vidéos pour YouTube? Ouais, ça dépend. C'est vrai? Ouais. Et vous vivez de YouTube? Ouais, c'est surtout de Twitch. Ouais. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est long, c'est quoi vraiment? Je suis ban Twitch en ce moment. Sur Twitch, vous êtes? Je suis ban. C'est vrai? Ah, ils m'ont ban 2 semaines. Quoi? Pour propos une. Merci. Nickel, merci beaucoup. Bon, ben, c'est moi. Au revoir. Merci beaucoup, ben, bon courage. Merci, au revoir. Du coup, les potes, voilà, quoi ça ressemble. On va goûter ça et puis, let's go. Voilà. C'est pas mauvais. On va goûter ça juste après. C'est bon, les potes, je suis dehors. On va pouvoir goûter la glace, donc, comme vous pouvez voir. On est à Jodes, pour ceux qui connaissent Clermont-Ferrand, ah, by the way. Let's go hein. Putain,
J'ai payé ça, les gars, 6,90. 7 euros, mec. C'est... Ouah, c'est cher. En vrai, c'est cher. J'espère vraiment que ça va être bon. Honnêtement, si c'est pas bon, hein. J'ai le seum. Hein. Oh, 7 euros, mon pote. C'est un menu maxi best-of. 7 balles. Vas-y, on va goûter ça. Hop là, nice. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la... Enfin... Donc là, j'ai goûté le chocolat blanc. On va goûter les Kit Kat, là. Ah, c'est bon. La glace. Enfin, honnêtement, la glace, c'est pas folle. Hein. La glace, c'est pas incroyable. Pour le coup, la glace, c'est pas assez insane que ça. Hein. La glace, c'est pas le plus, le plus incroyable. Oh, ça, les Oreo. Oh là là. Non, pas Oreo. Les Kinder Bueno Blanc. Là. Non, non, non. Non, le pigeon. J'ai un bout de goff qui... Ça, par contre, ça a l'air vraiment bon. C'est la crêpe. Oh, la crêpe est bonne. Pour le coup, la crêpe est vraiment bonne. Vraiment, vraiment bonne, la crêpe. Mais sinon, ça fait quand même cher. Hein. T'as 7 euros. En fait, tu payes ça 4 balles, ça va, tu vois. Mais 7 balles, j'ai mal. Il fait froid. La glace, c'est bizarre. Hein. La glace, c'est pas incroyable. Hein. Pour le coup, la glace, c'est pas une taille. Elle a un goût acide, un peu. Il y a tous les pigeons sur moi, les gars. Il y a tous les pigeons sur moi, regardez. Ouais, bah je regrette mes 7 balles. Hein. Parce que la glace, c'est pas folle. Alors, prendre, la crêpe est vraiment bonne. Ouais. La crêpe est vraiment bonne, mais. En fait, le problème, c'est vraiment que. Le gros problème, c'est. La glace, en fait. La glace, elle a un goût acide. Genre, c'est bizarre. C'est pas sucré, tu vois. Là, il devrait ajouter un petit peu de sucre dans la glace et ça serait bon, quoi. Oh, mais non, les gars. Oh, le con. Oh, le con. Oh non, mais quel benet. Ça... Oh non, mais j'ai trop le seum. Regardez, oh non mais attends, oh, de... ça fuit les gars, j'en ai partout sur mon pantalon, mais la vie de ta mère, mais c'est vraiment de la merde leur truc, j'en fous partout, mais non mais what the fuck, mais l'état de mon pantalon les gars, oh yo yo, oh là là, sur mes chaussures et tout, mais la vie de ta mère, mais what the fuck, regardez les potes, regardez ça fuit. J'en ai partout sur moi. J'ai trop le seum. Bref, les gars, je mange ça et je refilme après. Je suis obligé d'arrêter de filmer. Ouais, les gars, je viens de finir la gaufre avec moi, un petit morceau. Ah, j'ai envie de dégueuler. Genre, vraiment, j'ai payé ça 7 euros. En fait, genre, je pense que je vais pas dormir cette nuit. Hein. J'ai payé ça 7 euros. Je m'oblige à le finir parce que ça valait 7 balles. Ah, je peux pas finir. En vrai, je jette jamais, mais. Ah, vraiment, je peux pas. Oh, c'est dégueulasse. Je suis vraiment pas difficile. Hein. Je suis honnêtement, je suis vraiment, vraiment pas difficile. Ouais, mec, là, c'est même pas mangeable en fait. Bah, vraiment, j'ai envie de dormir. Mais what the fuck, mec, mais comment ça peut valoir 7 euros? Oh là là, mais attendez, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà mangé dans les commentaires? Mais dites-moi, est-ce que c'est bon? Mec, 7 euros j'ai payé ça. Mec, 7 euros. Et mettez mon code créateur, les gars. Mettez des putains de likes. Mettez mon code créateur. Oh, faut que je rentabilise. Faut que mentalement je me dise qu'on monte en soutien et que j'ai rentabilisé. Ah putain, j'ai encore des. Oh, j'ai des retours. Qu'on rentabilise ce truc de merde. Vraiment, putain, je. Putain, pourquoi j'ai voulu tester ça? Du coup, les potes, pour faire passer cette gaufre, enfin cette crêpe gaufre un peu dégueulasse, on va faire une petite truffade. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la truffade, c'est des patates avec du fromage. Donc, vous voyez ici du fromage. Mais moi, je suis un petit peu un gros gourmand. Et je vais rajouter ça. Donc, ça s'appelle du Saint-Nectaire fabriqué à la ferme. Donc, de l'AOP, etc. Au lait cru et entier. C'est pas du lait, je sais pas, enfin, c'est pas du fromage laitier. C'est voilà, c'est du vrai fromage fermier. Et ça, les gars, bon, bref, n'hésitez pas à me dire quel est votre fromage préféré en commentaire. Vous allez me dire quel est votre fromage préféré en commentaire. Mais putain, celui-là, les gars, en raclette, il est bon. En cru, il est bon. En fondu, il est bon partout. Il est bon partout. Bref, on se coupe un petit morceau et puis voilà. Alors, tac, oh, ce fromage. Ah, il est incroyable.
Donc c'est un fromage plutôt élastique et bon là il est froid donc faut pas trop manger froid. Ah oh, putain c'est bon. Et fondu il est incroyable. Du coup la truffade, je sais pas si y en a qui connaissent la truffade, c'est un peu comme de la tartiflette mais moi je trouve que c'est meilleur que de la tartiflette. En tout cas on va se faire chauffer ça et puis voilà. J'avais du tiramisu mais j'en ai plus. Et le tiramisu pareil, les gars, meilleur dessert, le tiramisu meilleur dessert, hein. Dites-moi quel est votre dessert préféré mais le un tiramisu truffade les gars et puis... Et puis voilà, bref, on va mettre ça directement au micro-ondes. Achetez-en du fermier les gars, pas du laitier, on n'achète pas du fromage laitier. Autant il y a des choses, tu vois, on peut les acheter laitiers, on peut les acheter industriels. Voilà, il n'y a pas de problème, tu vois. Acheter de l'industriel, c'est pas grave. Par exemple, il y a certains trucs que tu peux acheter totalement industriel. Mais c'est vrai que éviter d'acheter de l'industriel pour des produits comme ça qui, bah, si c'est pas fermé, ça pue la merde. Et bien sûr, avec ça, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un truc que vous avez sûrement peut-être jamais vu pour certains. Attendez, on va le chercher. Alors, peut-être, je pense qu'il y en a beaucoup que ça va... Il y en a beaucoup que ça va dégoûter, j'en suis quasiment sûr même. Mais moi, je trouve ça... Comme je l'ai dit, j'aime bien les bons... En fait, j'aime bien les bons produits. J'aime bien quand un produit, tu vois, c'est... Tu manges pas de la merde, tu manges un vrai truc qui a une vraie saveur et pas des trucs chimiques, même si j'adore les trucs chimiques, hein, je dis pas le contraire, j'adore bouffer McDo et tout, mais allez, j'ai acheté, donc bon là il est quasiment fini. Vous voyez, un bon jambon comme ça, et ça les gars, et ça putain, allez, vous... Donc là vous allez voir, ça fait un petit peu, hein, allez, là ça fait un espèce de ouais, c'est de la truffade quoi, hein. C'est, tu vois, c'est du fromage avec des patates quoi. Et avec mon petit morceau de jambon. Voilà les gars. Si le petit vlog vous a plu, le petit pouce bleu, n'oubliez pas. Le code créateur, je le répète, j'avoue que j'aime pas trop le spam, mais en fait c'est que YouTube et vu que je fais pas énormément de vues, bah forcément c'est. Ça. Voilà quoi, ça paye pas trop. Et donc voilà. Les gars, les pouces bleus, les abonnements, les commentaires, n'hésitez pas à me dire tout ça, tout ça. Putain, je fais comme Balouz, on dirait les pouces bleus, les abonnements, ici la Dozo Family. Allez, ciao ciao les gars.